YouTube Greux, c'est Sean Kazma, j'espère que tu as bien, on est back, messieurs dames, et on enchaîne directement avec le second DLC, à savoir celui de Red Hood, qui se passe après, normalement, les événements de la fin de l'histoire principale d'Arkham Knight, étant donné que l'Arkham Knight est redevenu Damian Wayne, et donc il est redevenu un anti-héros, genre il fait le bien mais à sa manière, il a des flingues quand même le bougre, hein, ça parle mal. Armé de pistolets, de nouveaux gadgets et de nouveaux mouvements, devenez l'impitoyable justicier Red Hood et rendez la monnaie de sa pièce à Black Mask dans ce scénario exclusif. Ah et du coup c'est une première de Black Mask dans Arkham Knight? Parce que normalement on le croise dans Arkham Origins, si incroyable. Sont aussi puissantes que le dit Black Mask. Tu traites Black Mask de menteur? Arrête de me charrier, montre-moi ce qu'on a. Et c'est mardi. Alors autant pour moi, on me dit dans le chat, c'est pas Damian Wayne, c'est Jason Todd. Alors pardon, je m'excuse beaucoup sur les Robin, parce qu'il y en a énormément qui ont toute une histoire un peu différente. Et ils finissent tous à faire quelque chose de différent, donc je les confonds. En fait, c'est terrible. J'aime trop. C'est ce qui est trop stylé. Et c'est trop cool qu'on puisse nous permettre de jouer Arkham Knight. Par contre, avec ces flingues, on déconne zéro. J'ai une question. Vous savez si c'est des vraies balles ou si c'est des genre des... des armes d'airsoft. Mais parce que tirer à bout portant ça fait des dégâts. Allez on y va. Let's go. En vrai en défi ça peut être très très stylé. Quelque chose me dit que ce DLC va être plus bourrin. Et je sais qu'il y a des DLC qui s'entrecroisent. Mais je sais pas si ce sera Nightwing et Harley Quinn pour le coup. Niquez vous. Et forcément qui dit Black Mask dit costume 3 pièces. Nique ta mère toi. Beuh. Putain les gars il y a Black Mask. Incroyable, ils ont mis la max hein, pour ce DLC. Enfin pour Arkham Knight. On n'a pas Bane mais bon ça c'est autre chose. Ok, on est bon. Et ça en finit jamais. Nya. Nique toi. Bouh. Nya. Oh là là, oh là là. Oh là là, je parle mandarin. Je connais le belge. Ah, nique ta mère. Ok. Par contre, il y avait marqué neutraliser avec LT, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, dommage. Où se trouve la marchandise de Black Mask? Tu veux des informations? Ben lis le journal. Deuxième chance. Ok, ok, arrête. Sur les quais. Garde les flingues sur les quais. Merci, j'apprécie. Alors, on me dit dans le chat que ces deux Desert Eagles sont non létales. Vous prenez cette info comme vous voulez avec ce qui vient de se passer à la fin. Non létal. Ça veut dire que ça ne meurt pas normalement. Oh damn. Oh damn. Une brochette de vainqueur. On s'en lâche jamais. Ok. Et du coup, Red Hood est capable de tuer si nécessaire. Mais ça, c'est intelligent, bordel. Il a tout intérêt à rester où il est. En même chose que pour Harley Quinn. Hein. Si jamais vous sentez qu'on est proche de la fin, pas hésiter à me le dire. Na. Ok, voilà, tu t'endors. Comme ça, je suis tiré le costume juste après. Oh, je me demande s'il a la voix qui change aussi. Bah, comme l'Arkham Knight. Ce serait tellement bien. Qu'est-ce que je fais là? Parfois, j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Attends. Ok, vas-y, bouge. Bouge, 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 bouge. Let's go. Ok. Et de deux. T'aurais mieux fait de pas venir. On avance. Et du coup le rythme est très différent de Harley Quinn. Mauvais endroit, mauvais moment. Genre Harley Quinn c'était plus scénarisé. Un peu à la Asylum. Là c'est plus des maps en fait de jeu. Des fois quand tu fais des éliminations silencieuses, tu peux entendre qu'il brise la nuque. Ah ça parle mal. Ah attends, double pistolet. Ok. Coup de pied éclair. Grenade flashbang. Ok. Je devrais être. Ah, attends, comment ça fonctionne les doubles pistoles? Si jamais les justiciers décident de débouler. Genre, si je lui tire dessus, ça fait quoi? J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. C'est un délire, j'ai envie d'essayer. Se calme, se calme. Alors, j'ai pas compris c'est quoi la différence entre les gars en bleu et les gars en orange. Peut-être qu'il y a des mecs qui sont à Cobblepot et d'autres à Black Mask.
En avant. Oh, c'est une promenade de santé. Il est pas mort. Il est pas mort, je vous assure, il est pas mort. Non létal, on a dit non létal. Oh merde. Comment je vais expliquer ça à Batman, moi? Je vais lui montrer qui fait la loi dans le coin. Comment je vais expliquer ça à Batman? Il a aucune chance. Ok, les enfants. Nia. Hey, un point pour l'effort. Ok. Mince. Mais qu'est-ce que je croyais? Let's go. Brisage de nuque, non létal. Ça va faire mal au réveil. Ah, ça va faire mal au réveil, il l'a dit, hein. Donc il y aura un réveil. Bouger, pas bouger. C'est confirmé, il y aura un réveil. D'accord, donc c'est effectivement non létal. Bon, c'est tendu quand même, hein. Quel job pourri. Alors, je pourrais briser la fenêtre et le faire à l'état sauve. Ouais, vas-y. Nique sa mère. Ok. Eh, hey, cowboy, t'es tout seul. Tu veux faire quoi? Ah non, attends, quoi? 2 2 1 Il est où l'autre? Ah là! J'avais pas vu. Là! Oh! Non létal! Non létal, rien à foutre! Rien à foutre, c'est non létal! Nya! Ok, bon, j'adore Red Hood. Je sais pas si je jouerai à Gotham Knight un jour, mais si c'est le cas, Red Hood, les gars. Red Hood. Deuxième victoire! Je veux parler à ton boss, Black Mask. Où il est? Tu me feras pas la peau. Tu me buteras pas. Est-ce que tu me prends pour Batman ou quoi? Réponds mieux si tu veux pas du plomb dans la tête. En ville, dans son bureau, mais tu l'auras jamais. Il sait que tu vas venir. Viens. Lol. On me dit dans le chat, t'imagines, tu te réveilles, t'as un torticolis. NDR. Lol, tu te réveilles, ta tête, elle est à l'envers. MDR. Waouh, je croyais que t'aurais déjà perdu le compte. C'est pas vrai. Il est là. Chopez-le. Uh-oh. Bonsoir. Alors, juste, je tiens à faire cette phase en version vraiment énervée et si possible... avec le bon costume. On est déjà à plus de 60%. Mais c'est terrible. C'est terrible. On a rien branlé. Heureusement que j'écoute le chat, hein, parce que le chat est là pour me prévenir. Mais c'est terrible. Les DLC, ils sont express, mon gars. Ok, on est prêt. L'Arkham Knight est avec nous. J'adore. Oh, est-ce qu'on peut revoir la cinématique, s'il vous plaît? Rendez-moi la cinématique. Je veux voir l'arrivée d'un homme incroyable. Allez, 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 allez. Oui. Yes. 10 310. Waouh! Je croyais que t'aurais déjà perdu le compte! C'est pas vrai! Il est là! Chopez-le! Oh là! Énervé! Aïe! Ah, ok. J'allais dire, il y a une différence, cette fois il parle pas, mais si, il parle. Bon, messieurs, dames, vous me connaissez, hein? Je suis l'ancien patron de la milice. C'était la D quand j'étais le patron. Je vais vous montrer c'est qui le patron toujours. Il est beau gosse. Il est sacrément beau gosse. Le fait de pouvoir le jouer, je trouve ça incroyable. Oh là 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 là. Et vous dites qu'il y a un comic sur ce perso? Mais je le veux! J'ai quelques comics Batman à la maison depuis cette aventure. Nya! Nya! J'ai jamais lu de comics avant. Hein. Vous m'avez fait faire une dinguerie, les casse-mains. Explose-le! Par contre, je veux juste essayer quelque chose. C'est ça. Oh. T'es mort? Il est mort. Non létal, on a dit non létal. Ok, il est mort tout seul. T'aurais pas dû venir là. Grosse erreur. Déjà? Eh ben allons-y. Ouais. Allons-y. Nya. Nya. Nique ta mère. Esquive la balle. On arrive, Black Mask. Il a une vraie barre de vie, hein. Allez, prends. Oh. Pardon? Il prend que les coups de base. Il prend pas les finish moves. Enculé. Pas rien. La caméra qui est pas de mon côté. Mais du coup, son gameplay, je trouve qu'il est vachement plus abordable parce qu'il rappelle trop Batman, en fait. Nique ta mère. Harley Quinn, c'est très différent. Il était pas mauvais, hein. J'ai beaucoup aimé la phase. Mais c'est pas pareil.
Mais merde! Oh! Oh la balle! Oh la balle! Oh la balle! Oh la balle non létale! Bon, après, il a un masque, ça compte pas pour le coup. Let's go! Nya! Mais niquez-vous! Voyez pas que je joue avec votre patron! M'emmerdez, hein! Nique ta mère! C'est bon! Allez! On avance! Putain, par contre, ça casse quand même les combos, hein! Mais. Ah! Oh! Oh la tarte! Oh, excuse-moi! Oh le non-respect! Oh le non-respect! Il a retiré son gant, il m'a baffé! Oh, j'ai pas aimé! Oh, j'ai pas aimé! Oh le respect! Mais personne baffe l'Arkham Knight! Mais ça va, oui! Black Mask, tu veux pas sortir de ton coin en vrai? Ça devient chiant. Genre tout le monde connaît la chanson au bout d'un moment. Aïe. Mais arrêtez les bafouilles! L'avion policière! Esquive de la loutre! Dis-toi! Ok, ça vient à l'infini, hein. Oh là là! Putain, ça n'avance pas! Ça n'avance pas! Ah si, ça avance! Allez, finis-le! Allez, let's go! Ce bordel! Ce bordel! Allez! Allez! Bah! Cette censure! On est là! T'as eu tort de pas m'enfuir. T'es pas obligé de faire ça. Je te donnerai du fric, de la drogue, des armes, plein. Tout ce que tu veux. Pitié, je ficherai le camp. Je quitte Gotham. Tu me verras plus jamais. J'irai où tu veux. J'irai n'importe où. Et pourquoi pas en enfer? Salut le Joker de ma part. C'est noté, Black Mask, il en a rien à péter. Et tant mieux, parce que ça fait du bien. Alors on me dit dans le chat qu'apparemment le mieux c'était le comics de Red Hood pré-New 52, puisqu'apparemment il était encore capable de tuer et maintenant c'est juste un membre parmi tant d'autres de la Bat Family. C'est dommage, effectivement j'aurais préféré un véritable anti-héros capable de tuer quand il le fallait. Mais du coup j'ai bien aimé, c'était très bourrin. Mais franchement pas mal. J'ai noté un truc, parce que tout à l'heure quelqu'un a dit il doit sûrement avoir des vraies balles et d'autres en caoutchouc. Moi ce que j'imagine c'est que quand il remplit son chargeur avant de partir en mission, il joue à la roulette russe. C'est à dire que genre il a un chargeur 12 balles, il met 2 vraies balles et 10 balles en caoutchouc et il tourne comme as. Genre tu sais le comment t'appelles ça, le barillet. Il le tourne comme ça plusieurs fois et genre il dit mourra qui mourra si tu veux. La justice interdite. Messieurs, dames, j'espère que cette seconde VOD, ce second DLC vous a plu sur Red Hood. La prochaine fois, on attaque le gros morceau de ces 6 extensions, à savoir Batgirl, qui est le DLC qui apparemment vaut la peine d'être joué, puisqu'on va jouer les prémices et donc le spin-off de l'Oracle avant qu'elle devienne malheureusement paralysée. Je vous fais de gros poutous partout, je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite pour du Batman Arkham Knight. Des bisous.